réfugiés. Il verse plus d'un million de dollars au Centre social d'aide aux immigrants de la grande région de Montréal pour financer ses programmes. Marc Véro a plus de détails. Plus d'un million d'emplois seront créés au cours des 10 prochaines années et l'immigration est une des solutions pour assurer le développement des régions, a souligné Dominique Anglade, député de Saint-Henri-Sainte-Anne et ministre de l'Économie, en annonçant cette subvention au Centre social d'aide aux immigrants. Mon collègue David Hortel a fait une tournée dans toutes les régions du Québec, a échangé avec les entrepreneurs, les entreprises, pour vraiment voir de quelle manière on pouvait soutenir davantage l'intégration des immigrants. L'apport économique des personnes issues de l'immigration est important, selon la ministre, pour l'économie du Québec. Elle roule parce que justement,